Ça s'appelle un libellé. C'est un espèce de d'engin à une corde. Et les Noirs américains, souvent, ils avaient ça dans le Mississippi sur le mur de leur maison. Juste une corde accrochée. Avec, elle passait sur deux boîtes de Coca-Cola ou deux boîtes de bière. Plutôt de la bière, je pense. Et voilà. Et ils jouaient avec leur canif comme ça. Tout en chantonnant. Alors moi, j'ai eu envie d'en fabriquer un, mais comme je voulais que ça soit un peu électrique, j'ai rajouté des micros de guitare. Et comme je voulais que ça soit très joli, j'ai un peu décoré, voilà, pour faire le potentiomètre. J'ai pris un bouchon de Calvados Boulard. Yeah. Et de l'autre côté, j'ai histoire d'équilibrer un peu, j'ai décoré avec Jacques Daniels. Yes. Percutant. C'est ça, c'est à peu près le son que ça fait. Un vieux morceau d'un garçon qui s'appelait Al Burnside, qui même s'il est mort s'appelle toujours Al Burnside d'ailleurs. Et voilà, c'était un des précurseurs de ce qu'on pourrait appeler le thrash ou le punk, toutes ces musiques-là. C'était un bluesman, mais qui jouait qu'un son crado possible. Et c'était vachement bien. Yes. On confirme. C'est pas le Gang Down South. Ça, c'est bon. Yeah.
ça ne marche qu'avec des tournevis Peugeot. C'est...